Préparez-vous pour le meilleur spectacle du monde, de la galaxie, de l'univers. D'accord, juste du quartier. Et voici nos hôtes, Eddie et Sophie. Merci, merci. Merci. Mes chers amis, s'il vous plaît, gardez vos applaudissements. Ok, ça y est, c'est parti. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chiens et jouets, c'est l'heure de... du conte de fées sur scène de Mia. Ta-da! Mia, c'est pas encore l'heure de ton conte de fées. Mais je me suis entraînée. J'ai pas du tout envie d'attendre plus longtemps. C'est l'heure de notre aventure. Ton conte de fées vient après. Tu dois attendre ton tour. Oh, zut! Vas-y, Ziggy! Hey. Quelqu'un a dit Mia? Non, j'ai dit Ziggy! Mia, on part dans une aventure pirate pour trouver un monstre marin. Oh, zut et zut! Allez, vas-y, Ziggy! Voici la princesse des contes de fées. Les princesses sont très, très drôles. Encore une fois, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Une fois, il y avait une... Oh, 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 dans la grande bleue, il n'est pas de lieu que j'aimerais mieux. Ah. Ohé, ohé, Tessa. Ohé, Sophie. Ohé, Mia. Papa, ce bateau pirate. Attention, chers compagnons pirates. Attention, capitaine Eddie. Ah, les copains, êtes-vous prêts pour une aventure pirate? Oui, oui. Alors prenez le cap et gardez les yeux grands ouverts pour les monstres marins ou les dinosaures. Ohé les pirates, à table. Est-ce que vous avez faim? Oui, oui. Ah. Mia, personne double personne. Mais vous m'avez pas laissé passer en premier avec mon conte de fées. C'est pas une raison de pas faire la queue pour le déjeuner. Mais je suis une princesse affamée. Et les princesses passent toujours en premier. Désolé, pardon. Hé, j'étais là avant. Waouh, génial. Je veux dire, tonnerre de Brest. C'est un vrai monstre marin. C'est pas un monstre marin, c'est un poulpe. Les poulpes sont les meilleurs animaux domestiques de pirates. Merci, pardon, désolé. On peut le garder à bord, capitaine? Bienvenue à bord, poule pirate. Eh ben, tant pis pour le déjeuner. Dépêchons-nous, moussaillons. Oh.
Quelle belle vue! Premier lieutenant, sur le pont! À vos ordres, capitaine! Pardon, je veux être premier lieutenant! Non, moi d'abord! Moi d'abord! Moi d'abord! J'étais là la première! Désolé! Ouais! Pardon, désolé. Hé, hey, tu fais quoi là? C'est moi le capitaine. Hé hey. J'ai toujours rêvé d'être à la barre d'un bateau pirate. Youpi. Youpi. Ce poulpe autoritaire essaye de prendre le contrôle de notre vaisseau. Celui-là, ce poulpe croit qu'il peut toujours nous passer devant. Il se prend pour le centre du monde. On doit faire quelque chose. Moi, j'ai une idée. Tada ! Qui veut écouter l'histoire de la princesse et du poulpe ? Pardon, mais tu veux plutôt dire du poulpe et de la princesse, non? D'accord. J'ai déjà le déguisement parfait, donc je serai la princesse. Mais qui pourrait bien faire le poulpe? Moi. Excusez-moi, moi. Pourquoi Mia raconte son conte de fées maintenant? Il était une fois une fée princesse. La fée princesse était très impatiente et elle voulait toujours passer en premier. Elle voulait pas être autoritaire, elle était juste si excitée et... Désolée, mais où est donc le poulpe? Mais un jour, un poulpe encore plus impatient et autoritaire poussa la princesse et ses amis tellement à bout que la princesse se tourna vers le poulpe et lui dit... Sur un grand bateau pirate, une princesse avait soif. Elle est accourue avec elle, attrapa la carafe. Désolée. Waouh, t'es vraiment trop bon pour jouer les poulpes autoritaires. T'as déjà entendu cette chanson? Chante le refrain avec moi. Moi. La gentille princesse et le poulpe savaient répéter. Pour qui sera la première réplique, saluera le public. Moi d'abord. Sur le gréement du vaisseau chez la vigile grand-père. Mais qui arrivera tout le temps, qui sera le plus vite en l'air? La princesse dit on va nager, l'océan a traversé, mais sur le point de plonger, le poulpe dit moi d'abord. Hourra! Tu as réussi. Vive Mia! Bien joué! Je m'excuse d'avoir été si autoritaire. Mais vous avez bien aimé mon conte de fées? Bien aimé? On l'a adoré! T'as réussi à faire sauter le poulpe par-dessus bord! Et on n'a même pas eu besoin de le pousser! Oh, alors, c'est qui le premier? Moi. Je parie que je peux courir plus vite que tout le monde. Et moi je parie que tu peux pas. Le dernier arrivé au toboggan est un œuf pourri. J'étais là d'abord. Laissez-moi passer je d'abord. Je peux pas être un œuf pourri. Youpi, je suis preuve. Hey Mia, t'as attendu ton tour. Je crois que tu devrais commencer. Merci Eddie. Ça doit être brillante sur nos
après toi.